Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une revue, donc ça fait partie des objets que Mélina m'a envoyé dans son swap. Alors je vais commencer par cette palette-ci donc, que je porte sur moi, donc j'ai utilisé le grenat comme j'avais dit sur la vidéo du swap. Je cherchais une couleur de ce style-là pour faire un smoky, donc je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je voulais faire cet effet-là que je trouve qui sort bien avec les yeux bleus. Comme j'avais dit aux copines, je disais est-ce que ça va m'aller ou pas, et elles m'ont dit si vas-y, je suis sûre que ça va bien avec les yeux bleus et à la caméra. Franchement je trouve que ça ressort énormément. Donc c'est cette palette-ci, c'est celle de la collection Couleur Impact Eyeshadow Palette, qui est la teinte qui est là, la Lounge Warm Tones. Donc je vais vous en faire une petite revue rapide, je voulais juste vous swatcher pour vous montrer les couleurs pour celles qui ne l'auraient pas. Et je pense que si jamais ce maquillage vous plaît, je vous en ferai un tuto assez rapide. Donc voici les teintes que vous avez dans la palette, qui sont des couleurs, donc on a du mat et de l'irisé. Donc pour le tuto je me suis servie de celle-ci et de celle du dessus qui est là. Voilà, donc je vais vous les swatcher pour vous les montrer. Je les trouve vraiment très sympas. Alors au niveau pigmentation, vous allez voir que il n'y a aucun souci. Ah, il me manquait un doigt. Hop, je vais juste prendre une lingette. Désolée. La fille qui n'est jamais prête. Je suis désolée. Et la dernière qui est celle-ci. Donc je vais juste en rajouter parce que comme c'est lumineux, mais des fois j'ai un peu peur qu'on voit pas bien à la caméra si on voit assez bien. Donc voilà les teintes. Donc c'est les deux du milieu en haut et en bas que j'ai utilisé pour le smoky, en plus d'un crayon noir, le Maybelline. Donc voilà, les palettes, les couleurs sont vraiment très pigmentées, donc je vous montre juste celle qui me reste sur mon doigt, mais je vais prendre le grenat et le marron. Voilà, au niveau des doigts, au niveau de la pigmentation, il n'y a vraiment aucun souci. Donc la palette est vraiment super sympa. Je remercie encore Mélina de me la faire connaître, parce que voilà, je cherchais une teinte comme celle-ci. Franchement, voilà, j'ai ce qu'il faut pour me faire mon petit smoky comme je voulais. Donc voilà, je vous la recommande. Si vous la trouvez encore dans les Sephora, foncez, parce que je ne l'ai pas vue sur le site, donc je pense que c'est une collection qui est déjà terminée. Mais si vous pouvez vous la procurer, allez-y, parce que franchement, elle en vaut la peine. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!